Alors Sophie, qu'est-ce qui fait l'efficacité de l'eau thermale d'Avène? C'est la richesse en minéraux de notre eau. Elle a un profil bicarbonaté et magnésien, calcium et magnésium. Et puis les dernières recherches ont montré qu'elle avait aussi une signature biologique. Cette signature biologique, elle est donnée, ainsi que la signature minérale, par le fait que notre eau thermale, qui est à la base de l'eau de pluie, va s'infiltrer dans une roche qui s'appelle la dolomie. Et en traversant cette roche, le chemin qu'elle fait pendant 50 à 200 ans dans la roche, avant de revenir à l'émergence de la source, fait qu'elle se charge de minéraux et d'une microflore bactérienne. Vous êtes en train de me dire que cette eau est très spéciale grâce à une bactérie? Une microflore bactérienne qui n'est pas pathogène, évidemment, sinon on n'aurait pas le droit d'exploiter notre eau thermale d'Avène, et qui s'appelle Aquaphyllus dolomiae, qui veut dire qui aime l'eau de la dolomie, qui est la roche qu'elle traverse. Et ça lui confère des propriétés qui vont moduler l'inflammation, d'où l'efficacité sur les maladies de peau inflammatoires.